Christ, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than that he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God, and he that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth us not. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Dieu tout-puissant, Lord Almighty God, nous abandonnons à toi. We abandon ourselves unto you. Pour que toi tu parles à ton peuple. So you can speak to your people. Jésus prend ces peu de mots. Jesus, take these few words. Seigneur, interprète-les pour nous. Interpret it for us. Et place-les dans nos cœurs. And place it in our hearts. Enfin que nous marchions dignement de l'évangile. So we can follow your gospel. Nous abandonnons à toi encore une fois. We abandon ourselves unto you once dans more. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ainsi, vous pouvez vous asseoir. So you may be seated. Alors, je vais parler sur quelque chose que j'ai déjà prêché ici. So I'm going to speak on something I've already preached on here. Sur soyons connectés au véritable réseau. Or be connected on a true network. Soyons connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Je crois que vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? I believe you remember it, right? J'en ai parlé, peut-être que j'en parlerai un peu différemment. I spoke of it now, I think I'm going to speak about it differently. Quand nous disons des choses ici, when we speak things ce here, n'est pas pour vous faire peur. It's not to scare you. Frères et sœurs, brothers and sisters, sachez que nous allons au ciel. No, we're going to heaven. Le ciel est devant nous. Heaven is before us. Dans peu de temps, in a very soon, ce monde ici, this world here, n'existera plus. Won't exist anymore. Ce monde sera brûlé. This world will be burned. Mais ceux-là qui sont en Christ, but those that are in Christ, ce sont ceux-là qui vivront éternellement. Are those that will live eternally. C'est pourquoi nous voulons vraiment veiller sur nos vies. That's why we truly want to watch our lives. Enfin, que ce jour-là, quand Jésus revient, that the day when Jesus comes back, que nous soyons trouvés dignes, that we may be found worthy. C'est ça les soucis que nous avons. That's the worry that we have. Amen. Amen. Si vous me voyez m'éloigner de la parole, if you see me going further away from the word, venez me voir. Come and see me. Je veux aussi aller au ciel. I also want to go to heaven. Voyez-moi. Come see. Ayez les soucis de mon âme aussi. Be worried about my soul. Quand moi aussi je te vois dans l'erreur, so when I see you also je viens there, te voir. I come and see you. Nous nous entraidons comme ça comme chrétiens. We help each other like this as Christians. Et nous sommes sentinelles des uns des autres. And we're watchmen one for another. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Alors encore une fois que Dieu vous bénisse. So once more may the Lord bless you. Soyez connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Qu'est-ce qu'un réseau? What is a network? Il y a tellement de définitions pour le réseau. There's so many definitions for it. Mais j'ai juste pris une définition. Just found one meaning. C'est ensemble organisé. It's united and organized. Dont les éléments are these elements dépendant d'un centre that depend on one center sont répartis en divers points and are propagated different places. Ensemble organisé dont les éléments. So these elements are organized united together. Dépendant d'un centre. That depend on one center. Les éléments dépendent d'un centre. These elements depend on one center. Soyons connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Dans ce monde, vous savez, you know, in this world, nous avons plein de réseaux. We have many networks. Mais beaucoup de ces réseaux, but many of these networks, ou tous ces réseaux, or all these networks, ce sont des réseaux qui nous déçoivent. Are networks that deceive us. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à là? Are you with me till now? Dans le monde entier, il y a des réseaux. There's networks in the entire world. Mais ces réseaux nous déçoivent. But these networks sometimes are deceiving. J'avais parlé du réseau de la communication. I spoke of the network of communication. Quand par exemple vous utilisez votre téléphone. When, for example, once you use your phone. Tu as ton téléphone. You have your phone. Toi, tu as ton téléphone ouvert. You have your phone open. Tu veux appeler ton ami. To call your friend. Tu l'appelles comme ça. And you call him. On dit l'appareil de votre correspondant et soit éteint. It said the one I'm trying soit to respond, mais toi tu regardes ton téléphone, c'est ouvert. But you look at your phone and it's open. Le téléphone n'est pas éteint. The phone is not shut. Mais ça dit que le téléphone est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. So, but it said that the receiver is either mais outside. Mais cette confusion provient d'où? Able to receive, but where does the confusion cette come from? Cette confusion provient du centre des réseaux. This confusion comes from the center. Parce que le centre des réseaux. Because the network center. A des cellules un peu partout. Has these waves that go everywhere. On peut être dans cette ville de North Richland ici. We can be in the city of North Richland Hills. Juste la cité ici de North Richland. Just the city of North Richland Hills. Peut posséder peut-être plus
plus de 100 cellules. May have maybe 100 cells. Et chaque cellule a son coin d'activité. And every cell has its area of activity. Et quand vous êtes entre les cellules, so when you're between the two zones, c'est pour vous difficile de capter le réseau ou d'avoir la connexion. Is to be able to receive the waves or to have connection. Donc des cellules qui sont qu'est-ce qu'on dit? S'entreposent. So two intersecting zones. Là où ça se rencontre. Where they meet. Quand vous êtes à ce milieu-là, when you're in that middle, vous n'aurez pas de connexion. You won't have any connection. On dira que votre téléphone est éteint. They say that your phone is off. Même si vous avez un message très important. Even if you have a very important message. Mais ce n'est pas facile d'atteindre la personne que vous voulez atteindre. It's not able to reach the person that you're trying to reach. Donc c'est un réseau qui déçoit. Because it's a way. Est-ce que vous êtes avec moi? Network is deceiving. Ce réseau-là déçoit. The network is deceiving. Il y a d'autres réseaux. There's another network. Qui nous déçoivent aussi. That also deceives us. Prenons par exemple le réseau Al-Qaïda par exemple. Let's talk about the Al-Qaïda network. Vous verrez les gens. You see people. Qui sont là en train de couvrir leur visage. That's there covering their faces. Mais une fois qu'on a captivé. But once they capture. Le patron du réseau. The one that's ahead of the network. Ce réseau-là devient très faible. This network becomes very weak. Et tous les membres du réseau commencent à se cacher. And all the members of the network. Pourquoi? Parce hide que ce themselves. N'est pas un réseau fiable. Why? Because it's not a trustworthy network. Pourquoi ils vont commencer à fuir? Why did they start fleeing? Ils ont peur de la mort. They're afraid of death. Ils savent que si on nous attrape aujourd'hui, they know that if they catch us today, nous allons mourir. We will die. Regardez même à la télé, on vous montre les ISIS partout. Look at the TV, they show you ISIS everywhere. Est-ce que vous avez déjà vu leur figure? Have you ever seen their face like this? Si on les a pas attrapés. If they caught them. Quand ils se présentent même dans les réseaux sociaux, on a social network, ils ont toujours couvert. They always have their face covered. Ils ne montrent jamais leur face. They never show their face. Pourquoi ils ne montrent pas Why leur face? Why don't they show their face? C'est parce qu'ils ont peur. Because they're afraid. Ils savent que si on m'attrape, they know that if they catch me, ça n'est fini pour moi. It's over for me. C'est un réseau qui n'est pas fiable. It's not a trustworthy network. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Are you with me till now? Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Are you with me till now? Même dans l'église aussi. Even in the church. Il y a les réseaux. There are networks. Dieu a placé aussi un réseau dans l'église. God also placed a network in the church. Et le réseau que Dieu a placé dans l'église. The network that God placed in the church. C'est d'abord le Saint-Esprit. It's first the Holy Ghost. Qui est Dieu? Who's God? Le Saint-Esprit traite avec le pasteur. The Holy Ghost treats with the pastor. Et le pasteur traite avec l'église. And the pastor is present C'est in the ça church. Le réseau que Dieu a placé dans That's l'église. The network that God placed in the Donc church. Il a placé une tête dans so l'église. He placed a head in the church. Et il travaille au travers de cette tête. And he works through that head. Et la tête communique dans l'église. And the head communicates it to C'est the church. C'est ça le réseau de l'église. That's the church, the network of the Et church. Et même pour le ministère. Even for the ministry. Si vous n'êtes pas connecté au vrai réseau, if you're not connected to the true network, vous n'aurez pas de résultats. You won't have any results. C'est pourquoi il y a des gens qui sont jaloux aujourd'hui. That's why those people are jealous today. Ah, pourquoi seulement lui? Or why just him? Mais pourquoi seulement lui? Or why just him? Mais lui est connecté au vrai réseau. But he's connected to the true network. C'est pourquoi Dieu est en train de répondre. That's why God is answering him. Ça dépend du réseau. Auquel vous vous êtes connecté. It depends on which network you're connected to. Si vous êtes connecté au mauvais réseau, if you're connected to the wrong network, Dieu ne répondra jamais à votre prière. God will never answer to your prayer. Soyez connecté au vrai réseau. Be connected to the true network. Mais aujourd'hui, today, moi je vais vous inviter. I want to invite you. Je vais inviter tout le monde aujourd'hui. I want to invite everyone today. Être connecté au véritable réseau. To be connected to the true network. Et le réseau auquel je vous invite à vous connecter. The network I'm inviting you to connect. C'est le réseau qui avait été établi depuis la croix. It's a network that was established from the cross. Amen, amen, amen. Amen. Ça a été établi depuis le calvaire. It was established since Calvary. Quand les rideaux du temple. When the veil of the temple. Était déchiré en deux parties. Was ripped in two halves. Il y avait un réseau. There was a network connected there. Les rideaux du temple étaient déchirés en deux parties. The temple veil was ripped in half. Pour montrer que ce n'était pas l'homme qui a créé les réseaux. To show you that the man did not create the network. Voyez comment les rideaux étaient déchirés. You see how this veil was ripped. Au lieu de commencer depuis le bas jusqu'à haut. Instead of being ripped from the bottom to the top. Mais les rideaux du temple. The veil of the temple. A commencé à se déchirer depuis le haut. Started ripping from the top. Jusqu'en bas. All the way to the bottom. Pour montrer que ce n'était pas l'œuvre d'un homme. To show that it was a man that ripped the veil. Pour montrer que c'était l'œuvre de Dieu. To show that it was God that ripped the veil. Les rideaux se déchirent de haut jusqu'à bas. The veil is being ripped from the top to the bottom. Mais vous ne voyez pas la main de la personne But qui you don't see the hand of the one that's ripping the veil. C'était une main invisible. It was an invisible hand. Qui a déchiré les rideaux du temple?
temple, et quand ce rideau était déchiré, ripped in half. Il y a eu une connexion éternelle. There was an eternal connection being made. Il y a eu une connexion éternelle. An eternal connection was made. Et cette connexion éternelle, an eternal connection, a aussi un chef de ses raisons. Also had a head. Et le chef de ses raisons s'appelle le Seigneur Jésus Christ. That's the Lord Jesus Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Le chef de ses raisons s'appelle le Seigneur Jésus Christ. That work is the Lord Jesus Christ. Et comment on se connecte à ces réseaux? So how are we connected to that network? On se connecte à ces réseaux par la parole. Amen, amen. La connexion c'est par la parole. The connection is through the word. Le Saint-Esprit conduisant l'homme. Si on peut lire dans la prédication led by the Spirit. If we can read the sermon guidé par l'Esprit. Au paragraphe 4. Paragraph 4. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Led by the Spirit. C'est prêché le 15 juillet 1950. Guidé par l'Esprit. Preached July 15, 1950. Au paragraphe 4. Le frère Branham dit ceci. And now, one of the most wonderful things of God and the Christian. Une des choses les plus merveilleuses avec Dieu et les chrétiens. The connection of the fellowship. La connexion de la communion. Between God and Christians, entre Dieu et un chrétien, is that, c'est que they, that are sons and daughters of sons of God, ceux qui sont fils de Dieu, are led by the Spirit of God, sont guidés par l'Esprit de Dieu. Cette connexion, this connection, fait que ceux qui sont fils de Dieu, makes that those that are sons of God, ceux qui sont filles de Dieu, those that are daughters of God, sont guidés par l'Esprit de Dieu. Are led of the Spirit of God. Et quand on parle d'être guidé par l'Esprit de Dieu, we're saying being led of the Spirit of God, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. That's having the baptism of the Holy Donc, Ghost. Celui qui est fils et fille de Dieu, so the son or daughter of God, reçoit le baptême du Saint-Esprit. Receive the baptism of the Holy Ghost. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Cette connexion a toujours existé. This connection has always existed. Même dans l'Ancien Testament. Even in the Old Testament. Mais la connexion avait un autre nom. But the connection had an old name. Cette connexion dans l'Ancien Testament. The connection in the Old Testament. S'appelait Jéhovah. Was called Jehovah. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament. But when now we get in the New Testament. Cette connexion a changé de nom. That connection changed name. C'est devenu Jésus-Christ. It became Jesus Christ. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, les réseaux existaient, the network existed, mais sa connexion n'était pas parfaite. But the connection wasn't perfect. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Les réseaux existaient dans l'Ancien Testament. The network existed in the Old Testament. Mais sa connexion n'était pas parfaite. But the connection wasn't perfect. Pourquoi sa connexion n'était pas parfaite? Why wasn't the connection perfect? Parce qu'il fallait le sang des animaux. Because you need the blood of an animal. Pour couvrir les péchés des hommes. To cover man's sin. Mais l'homme en soi, but man, il retombait toujours dans le même péché. Always fell back in the same sin. La raison était que, the reason being, le sang de l'animal, the blood of an animal, n'était pas au-dessus de sang du sang de l'homme. Was not greater than a man's le blood. Le sang de l'animal, the blood of an animal, n'avait pas le pouvoir d'ôter les péchés du cœur de l'homme. Didn't have the power to rip off the sin of the man's le heart. Le sang de l'animal, the blood of an animal, n'avait pas le pouvoir de blanchir l'homme. Could not whiten man's. Et chaque année, and every year, l'homme était censé amener un animal, man was supposed to bring an animal pour ses péchés, for his sin. Mais il retombait toujours dans le même péché. Because he fell back in the same sin. C'est parce que la connexion n'était pas encore parfaite. But because the connection wasn't perfect yet. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Prenons l'exemple d'Adam. Let's take Adam for example. Dieu descendait chaque soir. God came down every night. Dieu parlait avec Adam chaque soir. God spoke to Adam every Dieu day. Dieu se voyait avec Adam chaque soir. God saw him every evening. Mais dites-moi pourquoi Adam est tombé. But tell me, why did Adam fall? C'est parce que cette connexion-là, because that connection, n'était pas la connexion parfaite. Was not a perfect connection. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Adam est tombé. Adam fell. Pourquoi Adam est tombé? Why did Adam fall? La connexion n'était pas encore une connexion that parfaite. That connection wasn't a perfect connection Dieu yet. Dieu n'habitait pas dans les cœurs de l'homme. God wasn't dwelling in the heart of men. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ça c'est l'Ancien Testament. That was the Old Testament. Et vous verrez tous les hommes de l'Ancien Testament. And you see all the men of the Old Testament. Même David. Even David. Qui était l'homme selon les cœurs de Dieu. He was a man after the heart of God. When he looked at his life, it was a lot of sorrow. He asked himself, David, selon les cœurs de Dieu, a man, a la connexion n'était pas parfaite. The connection wasn't perfect yet.
Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse, Solomon, to whom God gives wisdom, il n'a jamais existé sur la terre. Never was a man like him. Mais regardez la vie de Salomon. But look at Solomon's life. Mawaple. It was full of sorrow. Samson. Regardez sa vie. Look at his life. Mawaple. Full of sorrow. La collection n'était pas parfaite. The collection was not perfect. Est-ce que vous êtes avec moi? You understand? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Can somebody say glory to God? Quelqu'un peut dire merci Seigneur? Can somebody say thank you Lord? Le sang des bouquets de taureaux, the blood of lambs and goats, ne pouvait pas ôter les désirs du péché du cœur de l'homme. Could not take away the sin, the desire of sin from the heart of man. Parce que nous sommes au-dessus des animaux. Because we're above animals. Notre sang est au-dessus des animaux. Our blood is greater than the blood of animals. Mais il fallait qu'un jour, one day, qu'il y ait la véritable connexion. There had to be a true connection. Il fallait que les raisons puissent changer de nom. The network needed to change name. Il fallait que les raisons changent de nom. The network needed to change name. Les raisons étaient Jéhovah. The network was Jehovah. Il était au-dessus de nous. He was above us. Les raisons étaient Jéhovah. The network was Jehovah. Jéhovah était au-dessus de nous. Jehovah was above us. Jehovah ne pouvait jamais venir habiter dans les cœurs de l'homme. Jehovah could never dwell in the heart. No. Jehovah ne pouvait pas le faire. Jehovah can do it. Mais les raisons devaient changer de nom. But the network needed to change name. Pour quitter le nom de Jehovah. Leave the name of Jehovah. Et devenir Jésus Christ. And become Jesus Christ. Mais remarquez. But now notice. Une fois que les raisons changeaient de nom. Once the network has changed name. On a eu des saints véritables. We had true holy people. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? On a eu des saints véritables. We had true saints. Mais remarquez une chose. But notice something. Même si ces raisons là. Even if that network avait le nom là, had that name, mais remarquez une chose. But notice something. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à? Are you with me till now? Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à? Are you with me till now? Oh mon Dieu. Je vais souligner une chose. I'm going to underline something. Remarquez. Notice. Quand vous êtes connecté, when you're connected, au réseau dont je parle, the network that I'm talking about, il y a une chose que Dieu fait. There's one thing that God does. Quand vous êtes déjà connecté, when you're already connected, la chose que Dieu fait, the thing God does, Dieu enlève la peur. God takes away the fear. Ceux-là qui sont connectés à ce réseau, those that are connected to that network, Dieu fait la première chose, the first thing God does, il enlève la peur. He takes away the fear. Alors il vous dit, so he tells you, tout est possible, all things are possible, à celui qui croit, to them that believe. Or la foi, but faith, ne marche pas avec la peur. Doesn't walk together with fear. La foi, c'est la foi. Fear is fear. La peur n'est pas dans la foi. Faith is not in fear. Il faut Dieu connecté au réseau. Once connected to the la première des choses, the first thing, ta peur est partie. The fear is gone. Et j'ai dit que la connexion de ces réseaux, I said the connection to this network, est par la parole. It's by the word. Lisons un peu dans the infallible word of God. Let's read in la parole infaillible de Dieu. Prêchez le 6 avril 56. Preach April 6, 56. Au paragraphe 30. Paragraph 30. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Are you with me till now? N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Isn't God wonderful? Est-ce que vous voulez vous connecter à ces réseaux là aujourd'hui? You want to be connected to this network today? Je verrai déjà connecté à ces réseaux. I want to be connected to this network. And how the people today was lost and undone without Christ? Comment les gens sont perdus et ils sont finis sans Christ? How we can rejoice and praise God that the expansion was met right when God sent Jesus Christ? Comment on peut se réjouir et louer Dieu car l'expansion a vraiment été à rencontrer Dieu quand Dieu a envoyé Jésus Christ? He died at Calvary. Il est mort au calvaire. To bridge the way. Pour nous donner le chemin. For sinful men, pour les hommes pécheurs, and the women, et les femmes to meet pécheurs, to meet their redeemer, qui puissent rencontrer leur rédempteur, and their maker, et leur créateur. And none other is this bridge but the Almighty God Himself. Et le seul pont, ça, c'est Jésus Christ lui-même, le Dieu tout puissant. His word is Him. Sa parole, c'est lui. Himself. Lui-même. And he laid his own life down that we could walk over him into glory. Et il a versé sa propre vie pour qu'on puisse marcher sur lui jusqu'à la gloire. One end of the bridge, et quand vous êtes à la fin du pont, was nothing else but Emmanuel. Il n'y a rien d'autre qu'Emmanuel. De l'autre côté du pont, so one side of the bridge,
C'est Emmanuel qui est là. Is Emmanuel there? God with us. Dieu avec nous. And the other end of the bridge. Et de l'autre côté du pont. Is the resurrected the Lord Jesus Christ. Et le Jésus-Christ ressuscité. Who stand in the power. Qui se tient de la puissance. And the glory of the Father. Dans la gloire du Père. Amen. Amen. The connection is right. La connexion est vraie. His word. Sa parole. Donc de l'autre côté du pont, so for one side of the bridge, de la connexion, of the connection, c'est Emmanuel qui se tient là. Emmanuel is there. Dieu au milieu de nous. God with quand us. Quand il est venu. When he came. Et de l'autre côté, and on the other side, c'est Dieu Jésus Christ. It's God Jesus Christ. Lui qui est mort à la croix pour nous. He died on the cross for us. Pour nous racheter. To redeem us. Et puis quand ces connexions là sont comme ça, so when these connections are like alors this, la connexion est correcte. So then it's a true connection. C'est alors que vous pouvez vous connecter maintenant à ces réseaux. That's where you can be connected to that network. Ces réseaux s'appellent Jésus Christ. That network is Jesus Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Voyez que j'ai souligné ici. You see how underlined here. Que quand vous connectez à ces réseaux, when you connected to this la network, première des choses que Dieu fait, the first thing that God does, il enlève la peur. Takes away the fear. Vous voulez que je vous prouve cela? You want me to prove it to you? Tous ceux qui se sont connectés à ces réseaux. All those that were connected to the network. Même quand la connexion ou les réseaux n'étaient pas encore parfaits. Even when the network wasn't perfect. Par le sang des animaux. By the blood of lambs. Aussi longtemps que vous êtes connecté à cela. But as long as you connected to it. Dieu a enlevé la peur. God took away the fear. Prenons un homme comme Abraham. Take a man like Abraham. Abraham? Abraham. Il n'était pas dans ce réseau. Was not in this network. Mais un jour, le patron du réseau l'appelle. But one day, the head of the network calls him. Mais quand le patron du réseau l'appelle. When the head of the network called him. Il s'est connecté au réseau. He connected himself to the network. Un jour, il a appris. One day, he learned. Que son neveu Lot. That his nephew Lot. Et sa famille. And his family. Était pris en captivité quelque part. Was taken in captivity. Il n'était pas soldat. He wasn't a soldier. Suivez-moi ici. Now follow me here. Il n'était pas soldat. He wasn't a soldier. Il était juste un fermier. He was just a farmer. Mais il avait juste des serviteurs. But he had his servants. Il a pris ses serviteurs. He took his servants. Ils ont pris des couteaux normaux qu'ils utilisaient à la ferme. Normal knives that they used in the farm. Ils sont allés en guerre. They went to war. Contre des armées. Against armies. Qui avait pris en captivité Lot. Who had taken his nephew Lot in captivity. Abraham et le fermier qu'ils avaient. Abraham and his farmers. Ils sont allés combattre. They went to fight. Et quand ils ont combattu. So when they fought. Ils ont eu la victoire. They were victorious. Alors qu'ils n'étaient pas armés. But they weren't even armed. Ils n'avaient que des couteaux. They only had knives. Ils ont juste enlevé la peur. They just took out the fear. Quand ils pouvaient avoir des lances de javelot. They could have javelins. Mais ils avaient juste des couteaux. But they only had knives. Mais ils ont combattu contre des rois. But they fought against the king. Et ils ont vaincu. And they overcame. Et le maître, le patron du réseau. And the master, the head nous of the, avait promis. The network. Il ne nous laisserait jamais seul. He said he'd never leave et us alone. Et voyez qu'Abraham était en train de retourner dans sa nation. So as Abraham was going back to his et quand nation, il était en route. As he was on the road. Il rencontra le patron du réseau. He met the head of the network. Il était là devant lui. He was there before him. Pour lui dire tu as combattu le bon combat. He said you fought a good fight. C'est moi qui étais avec toi. I was with you. Quand le patron avec nous. So the head works. Le patron du réseau ne nous laisse jamais seul. The head of the network never leaves alone. C'est ça le véritable réseau. And that is the true network. Là où je vous invite à vous connecter. So I invite you to be connected. Regardez l'homme comme Daniel. Look at a man like Daniel. On dit celui qui va louer un autre Dieu. Is it the one that worships another God? On l'arrêtera. Will be arrested. Mais Daniel, hein, but Daniel, il était connecté au réseau. Was connected to his network. Cela a enlevé la peur de lui. That took out the fear out of him. Daniel est allé dans sa maison. Daniel went home. Il a ouvert les portes. He opened the windows. Il a ouvert des fenêtres. He opened the doors. Il a pas caché son visage. He didn't hide his face. Il s'est laissé devant tout le monde. He showed himself before everyone. Il s'est agenouillé. And he kneeled down. Il ouvre la porte. He opened the doors. Il ouvre les fenêtres. He opened the windows. Il s'est agenouillé. And he kneeled down. Il leva ses mains vers Dieu. And he lifted his hands towards oh, God. Dieu. Oh God. Moi je te loue. I worship. Tu es l'unique véritable. You are the only true God. Tu es le seul. You are the only et ton nom. One. And your name. Et Jéhovah. It's Jehovah. On a vu Daniel en train they de saw prier. Joseph dead of faith. And they came to arrest mais Daniel him. Était sûr. But Daniel was sure. Il était connecté au véritable réseau. He was connected to the true network. On dit Daniel. They said Daniel. Si tu ne renies toujours pas son Dieu. If you don't deny your God. Te placeront dans la fosse au lieu. We'll put you in the lion's den. Daniel a dit. Daniel said. Je n'ai peur de rien. I'm not afraid of anything. Adieu le qui pourra. On l'amena Daniel de la fosse au lion. They took Daniel to the lion's den. On l'a jeté dans la fosse au lion. They threw him in the lion's den. Le maître du réseau. The master of the network. Ne nous laisse jamais seul. Never leaves us alone.
Il ne nous laisse jamais seul. He never leaves us alone. Le maître des réseaux était là. The master of the network was there. Le patron du réseau était là. The head of the network was there. Il est descendu sous forme de la colonne de feu. He came as a pillar of fire. Il était dans la fosse au lion. And he was in the lion's den. Le lion affamé était là. The hungry lions were there. Il ne pouvait pas toucher Daniel. They could not touch Daniel. Pourquoi il ne pouvait pas le toucher? Why could not touch Daniel? Car Daniel était connecté. Because Daniel was connected. Au véritable réseau. True network. Et à ce moment-là, at that time, le réseau s'appelait Jéhovah. The network was called Jesus. Connecté à Jéhovah. It said Jehovah. Connecté à l'Éternel. Connected to the Lord. Il avait la victoire. He had victory. Même dans la fosse au lion. Even in the lion's den. Prenons les trois Hébreux. Now let's take the three Hebrews. Connecté au véritable réseau. True network. On a dit ah, Daniel a vaincu là-bas. Oh, so Daniel overcame. Mais sachez que. But no. Sachez que maintenant. But now. Les diables seront faire quelque chose. Let me do something. Ils ont pu comme Daniel a vaincu. And so since Daniel overcame, ils ont commencé à adorer la statue de Daniel. They started worshiping Daniel's statue. Ils ont demandé aux trois Hébreux. They asked the three Hebrews. De s'agenouiller devant la statue de Daniel. To kneel down before Daniel's statue. Daniel, c'était leur frère. Daniel was their brother. Il pouvait accepter. He could accept. Ah, mais ça, c'est notre frère. He said, that's not my brother. Ils ont dit notre they Dieu said, our God nous a dit, told us, même si c'est Daniel, even if it's Daniel, même si c'est le roi, even if it's the king, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant un autre Dieu. We can never kneel down before another nous God. Jamais le faire. We can never do it. Ah, vous jouez, hein? Oh, you play. Alors, on va chauffer le feu là-bas. So now we're going to heat up the fire. Si vous continuez avec votre foi, if you keep with your faith, nous vous jetons dans la fournaise we'll throw you in the burning furnace. La peur était déjà partie. The fear was already gone. Quand vous vous connectez à when you connected to the true network, vous n'avez plus peur de you're rien. Not afraid of anything. Même pas de la mort. Not even of death. On les a jetés dans la fournaise they threw them in the burning fire. Mais les soldats qui les ont jetés sont morts. But the soldiers threw them in were mais dead. Ils sont restés vivants. But they stayed alive. Le maître du réseau toujours. The master of the network il always. Il ne reste pas en retard. Never, it's never late. Lui s'est dit ceci. He told himself. Pour ce qui concerne mes enfants. For what concerns my own children. Pour ce qui concerne mon peuple. For what concerns my people. Je ne vais jamais envoyer un ange. I'm never going to send an angel. Pour ce qui concerne mon peuple. For what concerns my own people. Pour ce qui concerne mon fils. For what concerns my son. Moi, je ne peux jamais envoyer un ange. I could never send an angel. Moi pour mon fils. Me for my son. Moi pour ma fille. Me for my daughter. Je descends toujours moi-même. I come down myself. Pour les autres, for, j'envoie les anges. I send angels. Pour les autres, for the others, j'envoie les anges. I send angels. Mais pour mon fils, but for my son, pour ma fille, for my daughter, je ne peux jamais envoyer un ange. I can never send an angel. Pour ce qui concerne mes enfants, for what concerns my children, moi je dois descendre moi-même. I need to come down myself. Les anges étaient là. The angels were there. Mais Seigneur, it's the Lord. Absent à l'hôpital. Absent said, look. You say in the time of Noah. La baby saki mokili na mai. I destroyed the world with water. Just send me down so I can send the water. The fire will be done. I'll be calm, man. Absent, be calm. Say, be calm, absent. Ah, Michael, be tindangai. Michael said, send me. Before they send him out, the fire. Panzi, panzi bango. I was going to spread it out. And I'm going to make him run. Calm. Said, be calm. You say. You say you know. On a pris les trois Hébreux. They took the three Hebrews. On les a amenés jusque dans les feux. They took them even into the fire. On voyait les hommes qui les brûlaient. They saw men qui les jetaient dans les feux être brûlés. Throwing in the fire being burnt. Lui était toujours calme. And he was just calm. Il regardait. He looked. Frère. Brother. Sœur. Sister. Des fois quand tu vois que la situation est dure. Sometimes when you see a situation being tu hard. Tu penses que Dieu n'écoute pas. You don't think that God listens. Tu penses que Dieu ne voit pas. You don't think that God sees. Non. No. Dieu. God. Il est celui. Qu'est-ce que je peux dire? What can l'homme I say? Le plus sûr. He's the most sure. Il n'est pas distrait. He's not distracted. Il n'est pas distrait. He isn't distracted. Il le voit. He sees. Tout ce qui se passe. Everything that happens. Il le voit. He sees it. Tu vas pleurer, pleurer toi-même. You're crying, cry yourself. C'est toi qui pleures. You're crying. Mais lui est calme. But he's very calm. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. It doesn't mean that God left you. Non, il ne t'a pas laissé. No, he didn't leave. Il est juste calme. He's just calm. Parce que toi, because you, tu es son enfant. You're his child. Oh, mais Seigneur, il va te pousser au kinderambangu. Oh, you run so fast for others. Peut-être qu'il t'a ramené par ange. They said for others, maybe he sent an angel. But do you know? Peut-être qu'il t'a ramené par ange. Maybe he just sent an angel. Oh, il va te pousser au kinderambangu. Oh, he asked us very fast. Very fast. Ah, mais mon problème, Dieu est toujours calme. But my problem, God is always mais calm. Mais c'est parce que tu es son enfant. It's because you're his child. Mutu mususa goya akoti aboye. For another person comes here. Aye ne agoya.
It just comes. You pray for the person. Solution balamoko. He gets a solution right away. But yours takes time. Why is it so hard? C'est le maître du réseau. The master of the network. Qui sait que toi, tu es connecté. Who knows that you are connected? Lui vient. He comes. Quand tout espoir est terminé. When all hope is gone. C'est alors que lui vient. That's when he comes. Il n'est jamais pressé. He's never in a hurry. Même si on te jette dans le feu, even if they throw you in the fire, il essaiera que tu sois jeté dans le feu. He would like you to be thrown in the fire. Il ne descendra pas vite. He won't come down very fast. Même si tu trouves vraiment que non, c'est la fin. Even if you find that oh, it's my maintenant, end. Là, c'est la fin vraiment. Now this is my end. Ah, mon cas est déjà terminé vraiment. My case is already on a classé mon dossier, il y a plus moyen. I'm already classified. Il est calme. He's very calm. C'est quand tout espoir est it's when all hope is gone. Ça, c'est le moment que lui vient, that is the time that when he comes, pour mettre sa main, now to put his hand le down, maître du réseau, the master of the network. On jette les trois Hébreux dans le feu. We throw the three Hebrews in the fire. Les gens regardaient. The people were looking. Aye, bazozika, eh. I'm burning. Bazozika, eh. They're burning. Bamo na bato bakangani basinga. They see people that had their hand tied. Bahadi na bango bien. They were free. They were talking to each other in the fire. It's like the heat became AC. They're not burning. What a mystery. So the master of the network always remembers his children. He doesn't send angels. He doesn't send anybody else. He comes out himself. And he says, the man that was there, il ressemble au fils de Dieu. Is like unto the Son of Man. Mais comment il ressemble au fils de or Dieu? How is it like unto the Son of God? Le fils de Dieu, c'est qui? The Son of God is who? Mais c'est Dieu lui-même. It's God himself. Donc c'est Dieu lui-même. So it's God himself. Il est descendu dans le feu. Come down in the c'est fire. Dieu lui-même. God himself. Il est descendu pour le cas de ses enfants. Come down for his children's case. Donc pour ton problème, so for your problem, tu es l'enfant de Dieu. Comes a child of God. Un véritable enfant de Dieu. A true child of God. Pour ton cas. For your case. Tu ne verras pas Gabriel. You won't see Gabriel. Tu ne verras pas Michael. You won't see Michael. Tu ne verras pas absent. You won't see absent. Mais la personne que tu verras. But the person that you'll see. Tu verras Dieu lui-même. You'll see God himself. Dieu descendra. God will come down. Pour te montrer à toi. To show you. Que moi je suis ton père. That I am your father. Je suis ton Dieu. I am your God. N'aie pas peur. Don't be afraid. C'est moi qui suis là. I am there. Il est descendu dans le feu. He came down in the fire. Et il a sauvé les trois Hébreux. And he saved the three Hebrews. Je vous ai toujours dit. I've always told you. C'est celui-là qui a sauvé les trois Hébreux. The one that saved the three Hebrews from the fire. C'est celui qui marche avec vous aujourd'hui. Is the one that walks with you today. Son nom c'est Jésus Christ. His name is Jesus Christ. Le même hier. The same yesterday. Aujourd'hui. Today. Éternellement. And forever. Quelqu'un peut l'acclamer très fort. Can somebody clap very hard? Soyez connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Soyez connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. De qui encore je peux parler? Who else can I talk about? Je peux parler de Job. I can talk about Job. Non, parlons de Josué d'abord. Oh, let's talk about Joshua first. De beaucoup de gens. I can speak of many parlons first. De Josué. Let's talk about Joshua. Quand Dieu a appelé Josué. But God, Joshua. Josué. Joshua. Tu sais quoi? Say, you know what? Moi. I. Je serai avec toi. I'll be with you. Juste comme ça. That's it. Je serai avec toi. I'll be with you. Il lui dit quoi? What did he say? N'aie pas peur. Don't fear. Moi, I je serai avec toi. Will be with you. Il lui a dit ça. That's what he said. Josué s'est connecté. Joshua got connected. Voilà que Josué, he said Joshua, avec les enfants d'Israël, with the children of Israel, ils ont marché. They walked. Arrivé devant le Jourdain. They became come before the Jordan. Pourquoi tu s'en es gagné? So how we cross it? Quand tu es connecté. When you're connected. Au réseau, to the network, tout le reste des choses, the rest, le patron du réseau, the master of the network, il va s'en charger, will take care of it. Je vous ai dit, I've already told you, même si on dit, even if they say, que tu dois sortir dehors, that you need to go outside, par ici, through here, et il y a pas une porte, and there's no door there. Mais si tu es connecté, but if you're connected to the network, le maître du réseau te dit, the master of the network says, fais seulement les just go. And don't think about it. Traverser. You'll go through. Parce que le maître du réseau, because the master of the network, c'est celui qui fraye le chemin, is the one that makes the way. On a toujours chanté. They always say, God will make a way. Dieu fera un chemin. There seems to be no way. Là, il semble pas avoir de il chemin. Makes in ways we cannot see. Il fait des chemins qu'on peut pas voir. He will make a way for me. Il fera un chemin pour moi. He will be my guide. Il sera mon Dieu. Hold me closely to his side. Il me garde plus proche de lui. With love and strength. Avec l'amour for et la force. Each new day, chaque jour. He will make a way. Il fera un chemin. God will make a way.
Dieu trace un chemin. Il fait toujours un chemin. He always makes a way. Sois connecté seulement. Just be connected. Une fois connecté au réseau. Let's connect it to the network. Dors en paix. Sleep in peace. All is well, all is well. Fais bien, fais bien. We are in the message, shalom. Devant toi. All is shalom. Well, tout est bien. There is a place. Il y a une place. Perfect place. Parfaite place. Beyond the inner veil. Au-delà de la voile intérieure. So rest. Repose-toi. The bride rest. Épouse, repose-toi. For all is well. Bien. Quand tu es connecté. When you're connected. All is well. Tout est bien. Go en paix. Sleep in peace. Que les sorciers viennent la nuit. May the witches come at night. N'aie pas peur des sorciers. Don't be afraid of the witch. Un chrétien. A Christian. Ne peut jamais avoir peur des sorciers. Can never be afraid of witchcraft. Quand le maître du réseau prend place, when the master of the network takes place, he takes off the fear. Un chrétien. A Christian. Ne peut même pas avoir peur de Lucifer. Cannot even be afraid of Lucifer. No. Pourquoi? Why? Connecté au réseau. Connected to the network. Le maître du réseau. The master of the network. Je serai avec toi. Said I'll be with you. Et même en toi. And even in you. Jusqu'à la fin. Till the end. Quand tu dors. When you sleep. Dors en paix. Sleep in peace. Le maître du réseau est là. The master of the network is there. Tu seras troublé pourquoi? Why would we be troubled? Oh moi les sorciers viennent. Oh, les the witches come. With... Mais ils te dérangent comment? But how do they disturb you? C'est toi qui as peur. You are afraid. Le maître du réseau. The master of the network. Démontre toujours qu'il est là. Always shows you that he's there. Dis-moi un peu, même temps au monde à Bayaka, Baboma va combien? Even if it's, they come, how many will they kill? Baboma yon bala combien? How many times have they killed you? Frère, Baboma yon combien de fois? How many times have they killed you? O banga la kaboy. You're just afraid. Ba lobio, ba Baboma ngai. They said they're going to kill me. Mungo mungo ka lobio Baboma ngai. The voice said they'll kill me. Et si Baboma yon combien de fois? How many times has it killed you? Ça te donne rien que la peur. It just gives you fear. Et quand tu auras peur, so when you're afraid, le diable profite maintenant pour te déranger. The devil now takes advantage of you. C'est ça le travail du diable. That's his job. Sois seulement connecté. Just be connected. Quand tu es connecté au véritable réseau, when you're connected to the true network, la peur doit partir. Fear has to go. Tu es victorieux. You're victorious. Nous avions dit. We read just read. Que celui qui est en vous, the one that's in you, est plus grand que celui qui est dans le monde. Is greater than the one that's in the world. Mais qui est celui-là qui est en vous? So who's that one that? Mais c'est le patron du réseau. It's the master of the network. Who is his name? Jésus Christ. It's Jesus Christ. Depuis que le monde existe, since the beginning of the world, il n'a jamais été vaincu. He was never overcome. Jusqu'à ce que le monde se termine. Up until the end of the world, il ne sera jamais vaincu. No one will ever overcome him. Mais pourquoi tu sembles être vaincu? So why do you feel that you're overcome? Ôte la peur. Take off the fear. Ôte la pierre qui est devant toi. Take off the stone that's before you. Marche avec la foi. And walk with faith. Tu es capable de défier Lucifer. You're able to defy Lucifer. Tu es capable. You're able. Dieu t'a donné ça. God gave that to you. Enlève seulement la peur. Just take off the fear. Tu as peur de quoi? What are you afraid of? Tu n'es pas connecté? Are you not connected? Si tu es connecté, if you're connected, tu peux même ressusciter les morts. You can even raise the dead. Je vous dis. I'm telling you. Si tu es connecté, if you're connected, tu peux ressusciter des morts. You can raise the dead. Tu es capable. You're able. Tu as ça en toi. You have it in you. Cette force là. That power. Cette puissance là. That strength. C'est en toi. Is in you. C'est pourquoi la Bible dit. That's what the Bible says. Que celui qui est en vous. That the one that's in you. Est plus grand. Is greater. Que celui qui est dans le monde. Than he that is in the world. Qui est dans le monde? Who's in the world? C'est Satan. It's Satan. Qui est dans le monde? Who's in this world? C'est Lucifer. It's Lucifer. Mais celui qui est en but toi. The one that's in you. Est plus grand. Is greater. Que c'est Lucifer that, là. That Lucifer. Qui est dans ce monde. That's in this world. Est-ce qu'il est réellement en toi? Is it truly in you? Ôte la peur. Then take off the fear. Sois connecté au véritable réseau. To the network. Sois connecté au véritable réseau. Be connected to the true network. Sois connecté au véritable réseau. Be connected to the true network. Alléluia. Alléluia. Mais Jacob. Jacob. Il a combattu. He fought. Mais remarquez. But notice. Jacob. Jacob. Un homme comme toi et moi. A man like you and I. Mais il a combattu. But he fought. Contre le patron du réseau. Against the head of the network. Il a combattu. He fought contre le patron du réseau. Against the head of the network. Vous savez quoi? Do you know? Le patron du réseau. The head of the network est très faible. Is very weak. Il est très fort. He is very strong. Très 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 fort. Very 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 strong. Jamais été vaincu. Never been defeated. Mais cependant. But however. Très faible.
faible. He is also very weak. Tu peux le vaincre. You can overcome him. Tu peux vaincre le patron du réseau. You can overcome the head Comment of the network. Tu peux vaincre le patron du réseau? How can you be greater than the head of the quand network? Tu le prends à sa parole. When you take him by his word. Parce que quand il a déjà parlé, because when he's already spoken, ça doit s'accomplir. It needs to come to pass. C'est ça la faiblesse du patron and du réseau. That's the weakness of the head of the network. Quand il a dit que je serai avec when moi, he said, I'll be with you jusqu'à la fin du monde, up until the end of the world, et que toi tu crois, and you believe, tu es connecté, you're connected. Quand le diable te chiffre, when the devil traps tu tournes vers le patron du réseau. You turn your head. C'est toi qui m'as dit but you told me que tu seras avec that moi you will be with me, et même à moi and even in me, jusqu'à la fin du monde up until the end of the world. Et moi je suis encore vivant, I'm still alive. Ce n'est pas encore ma fin. It's not my end yet. Mais où es-tu? Where are you? Tu verras une lumière descendre. You see a light come down. La colonne de feu descendra très vite. The pillar of fire will come down. Il va vaincre le patron du réseau. And you go towards the head of the network. C'est comme cela que vous pouvez vaincre le patron. That's how you can overcome the head of the network. Et le patron du réseau, the head of the network, il s'est dit lui-même, he knows himself, je me fais pour votre ami, that I make myself your friend, l'ami fidèle, the true friend, the faithful il dit, friend. Tu sais quoi? He said, you know what? Le ciel et la terre, heaven and earth, peuvent passer, can pass away. Mais moi, je ne passerai pas. My word will never pass mais moi, away. Je suis ton ami. But I am your friend. Donc, comme moi, je ne passerai so pas. Since I shall never pass away, donc, toi aussi, I also, étant mon ami, being your, my friend, tu ne passeras pas. You also won't pass away. Et moi, ton ami, me, your friend, je te dis, I tell you, que le monde peut t'abandonner. That the world can abandon you. Les amis du monde peuvent t'abandonner. The friends of this world can abandon mais you. Mais moi, ton ami, but I, your friend, c'est moi le patron du réseau. I am the head of the network. J'ai trouvé bon. I found it good. Que un meilleur ami pour toi. To be a best friend for you. Je ne t'abandonnerai jamais. I shall never forsake. La parole de Dieu le dit. The word of God says. Je ne t'abandonnerai jamais. I shall never forsake c'est you. C'est ça le patron du réseau. That's the head of the network. Quand il a déjà parlé. When he's already spoken. Wajiki. It's over. Quand il a déjà parlé. When he's already spoken. Anaïsha. It's over. C'est terminé. It's done. Il a déjà parlé. He's already spoken. Il est mon ami. It's my friend. Oui, il est mon ami. Or it's my friend. Il est mon ami. He's my friend. J'ai trouvé en Jésus l'ami. I found a friend in Jesus. Il est toute chose pour moi. He's everything for me. Le plus beau d'entre 10,000 pour mon âme. He's the first of 10,000 for my soul. Alléluia. Le patron du réseau. The head of the network. Il est l'ami fidèle. He's that faithful friend. L'ami qu'a d'autres amitiés. C'est où me déçoit. Ami qui me donne joie et paix. Ami. L'ami fidèle, a faithful friend, le patron du réseau, the head of the network. Sois seulement connecté à ces réseaux. Only be connected to that network. Tout est possible pour toi. All things are possible for sois you. Sois seulement connecté au réseau. Just be connected to the network. Tout est possible à celui qui all croit. All things are possible to them that believe. Est-ce que le croyez-vous? Do you believe it? Est-ce que le croyez-vous? Do you believe it? Remarquez une chose. Notice one thing. Quand le maître du réseau est venu lui-même. When the master of the network came himself. Le maître du réseau est venu. The master of the network came. Et quand il est descendu sur la terre. He came down on earth. Le diable l'a vu un homme. The devil saw him as a man. Il pensait qu'il est comme tous les autres. He thought that he was just like any other man. Je viens signaler. But I warned you. Que quand le patron d'autres réseaux meurt. When the head of our network dies. Le réseau n'a plus de force. The network has no more power. On va chercher une deuxième personnalité. We're looking for a second on person. On le place là, on le tue. We'll place him there and jusqu'à kill him. Jusqu'à ce que le réseau va être down. Up until the network will be down. Mais remarquez le maître de notre réseau. Look at the head of our network. Le patron du réseau est venu. The head of the network came. Il marchait sur la terre comme tous les patrons. He was walking on earth like every other. Lui aussi ne se cachait pas. He was also not hiding. Il pouvait dire à tout le monde qui me convaincra du péché. He could tell everyone who can convince me of sin. À 12 ans, il va dans le temple. 12 years old in the temple. Il enseigne dans le temple d'autrui. He's teaching in other people's temple. Et il va trouver les gens dans le temple qui lui appartenaient pas. And he comes find people in the temple that mais don't belong lui to appartenait. Him. But the temple belonged parce to him. Lui était le Dieu de because Dieu. He was a god of gods. Mais on pensait que ça lui appartenait pas. But they thought they didn't belong to him. Il trouve les gens que des femmes. He saw people selling. And he whipped them and le patron them out. Du réseau. The head of the network. Oh, yeah, Al-Qaeda, là, when the Al-Qaeda and the others. Oh, yeah, Buki, when they come. Bah, comme Robert, and they hide. Bah, son, they just speak with voices. Oh, or we did it. With voices. Mais, but our God. Abuki, pa, bimine, mate, calme, when he was, when he whips you, then he comes and walks. Mate. Walks around. Oh, calme, at them. Azan, la, bimine, he's just calm. And they don't even arrest him. Mais quand il voulait, quand on voulait l'arrêter, but when they wanted to arrest him, il avait dit que j'ai le pouvoir. He said, I have the power de donner ma vie, give my life, et j'ai aussi le pouvoir and I also have the power de la reprendre. To take it back. Pour montrer que c'était dans sa volonté to show prophète. That it was
was in his will that he did these quand things. Les soldats se sont présentés, when the soldiers presented themselves, il leur a posé la question, they asked him the question, qui cherchez-vous? Who are you looking for? Ils ont dit, c'est Jésus que nous cherchons. We're looking for Jesus. Quand il a dit que when oui, he said, moi, yes, it is I, ces soldats sont tombés par terre. Soldiers fell on the ground. Il a montré qu'il était puissant. He showed that he was powerful. Qu'il pouvait les renverser tous. He could overthrow them all. Avec les armes, ils sont tombés par terre. They fell down with their weapons. Mais il a dit, Père, but he said, but laisse que ta volonté soit accomplie. Father, let your will be done. Non pas ma volonté. Not my will. J'ai le pouvoir. I have the power. J'ai l'autorité. I have the authority. Mais pas ma volonté. But not my will. Mais ta volonté. But your will. Voici que je suis venu dans le monde. Now come in this world. Pour accomplir ta volonté. To accomplish your will. On l'a arrêté. They arrested him. On l'a frappé. They struck him. Pour moi. For me. Il a été blessé. He was wounded. Pourquoi? For what? Pour l'amour. For his love. Qu'il avait pour moi. That he had for me. On l'a tabassé. And they hit comme him. On l'a jamais tabassé un like homme. They never hit anybody. Pourquoi? Why? Juste l'amour. Just for love. Qu'il avait pour toi and et moi. For you and I. Bien que nous l'avions rejeté. Even though we rejected him. Nous n'avions pas besoin de lui. We didn't need him. Mais lui avait toujours besoin but de he lui. Still needed us. Il nous a suivis. He followed us. Il avait dit pour votre salut. He said for your salvation. L'éternel votre Dieu. The eternal God. Descendra lui-même. Will come down himself. Et vous sauvera. And will save you. C'était déjà écrit. It was already written. Ça ne devait que s'accomplir. It already needed to come to pass. Même s'il devait mourir nu. Even if he needed to be mais c'était déjà die écrit. Naked, it was already written. Ça devait s'accomplir. It needed to come to pass. Comme c'était écrit, since it was written, il devait l'accomplir. He needed to accomplish. Et un jour, on a vu quelqu'un qui était là. And one day they saw someone on l'a frappé, tabassé. And they hit him. Mais dans la bouche de cet homme-là. But out of the mouth of this man. Père, pardonne-le. Father, forgive him. Père, pardonne-le. Father, forgive him. C'est pourquoi nous devons pardonner. That's why we need to forgive. Quand quelqu'un vient te demander pardon, when someone comes ask you for forgiveness, peu importe la chose que la personne a faite, won't matter what the person's done. Pardonner. Forgive them. La Bible dit, the Bible says, pardonne-nous nos offenses. Forgive us our trespasses. Comme nous pardonnons aussi, as also we forgive à ceux-là qui nous ont offensés. Those that trespass against us. Donc toi tu pardonnes. So when you forgive, c'est alors que tu seras aussi pardonné. That's when you will also be forgiven. Dans sa bouche, out of his mouth, c'était le pardon. It was forgiveness. Et plein d'amour. Full of love. C'est pourquoi l'homme unique, that's why the only one, à qui nous devons ressembler, to whom we need to be like, c'est le Seigneur Jésus-Christ. It's the Lord Jesus Christ. Lui-même, si tu l'as fait quoi que ce soit, no matter what you do to him, quand il a pardonné, when he's forgiven you, il le jette dans la mer de l'oubli. He throws in the sea of forgetfulness. C'est pourquoi nous devons ressembler à Jésus. That's why we need to be like Jesus. Il est l'homme unique. He is the only one. Ne me ressemblez pas. Don't be like me. Ne ressemblez pas au pasteur Baruti. Don't be like Pastor Baruti. Ne ressemblez pas au Papa Landou. Don't be like Papa Landou. Ne ressemblez à Jésus. But be like Jesus. Il est l'homme unique. He is the only one. L'unique homme. The only one. À qui tu dois ressembler. You need to be like. Quand tu ressembles à Jésus. And when you're like Jesus. Peu importe ce que la personne te fait. No matter what a person does to you. Tu pardonneras. You will forgive. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? On l'a tué. They killed him. Avant même sa mort. Before his death. Il était toujours là. He was still there. Il nous quitte étape. Tell us who hit you. Tell us who hit you. On a même pris son coton, l'a trouvé. They even took his side. On a trouvé ses pieds par des clous. They pierced his nail, his feet c'est by nails. Ses mains par des clous. His hand by nails. Dans sa bouche. Out of his mouth. Père, pardonne-le. Father, forgive them. Même alors qu'il est en train de mourir. Even as he is dying. Père, pardonne-le. Father, forgive them. Quel homme. What a man. L'autre voleur qui était là, Seigneur, souviens-toi de moi. Or the thief that was there, Father, il savait que cet homme était voleur. He knew that he was a thief. Il savait que cet homme, hein, he knew that that n'a man jamais vécu une bonne vie sur never terre. Lived a good life spiritually. Mais il lui a dit, but he told him, aujourd'hui tu seras avec today moi. You'll be with me. Regardez un peu l'amour. Look at love. C'est ça l'amour que nous devons that's avoir. The love that we need to have. Nous devons atteindre cet amour. We need to get to that love. Et pendant qu'il était à la croix, as he was on the cross, naked, il cria Père. He cried Father. J'ai tout accompli. It is finished. Tout est accompli Père. It is finished Father. Mais il a fait pour qui? But who did he do it for? Il a fait pour toi. He did it for you. Il a fait pour moi. He did it for me. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. So I can be what I am today. C'est pourquoi nous devons aimer Jésus. That's why we need to love Jesus. Il n'y a pas d'homme qui soit comparable à lui. There's no man like him. Frère, brother, Jésus est l'homme unique. Jesus is the only one. Si tu aimes Jésus, if you love Jesus, tu dis celui qui m'aime, said the one that loves me, je l'aimerai. I will love him. Celui qui m'aime, the one that loves me sera aimé de mon will be loved of my Father. Et moi, et
mon père, me and my father, nous viendrons. We will come. Donc le père et le fils, the father and the son, ils descendront. Will come down. Nous ferons notre demeure en lui. And we will dwell in donc him. Le père et le fils ensemble, the father and the son together, faisant les demeures dans le cœur de l'homme, dwelling in the heart of man. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. That's what we call the baptism of the Holy Ghost. Donc le père, le fils et the le Saint-Esprit, and the son and the Holy Ghost, c'est une même personne. Is one person. Parce qu'ils viennent habiter en toi. Because they come and dwell in you. Ils forment le baptême du Saint-Esprit. They form the baptism of the Holy Ghost. Et quand le Saint-Esprit est en toi, when the Holy Ghost is in you, tu peux marcher en paix. You can walk in peace. Dans la tranquillité. In a tranquility. Christ est en moi. Christ is in me. Je sais que j'ai l'espérance de la I know that I have the hope of glory. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Soyez connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Je termine déjà. I'm already done. Soyez connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Ce réseau-là un jour, that network one day, était coupé. Was cut. Dans le Concile de Nicée. At the Nicaea Council. Le réseau était coupé. The network was cut. On a enlevé le patron du réseau. It took off the head of the network. At Nicaea. Et on a remplacé le patron du réseau. And they replaced the head of the network. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Our Father, Son, Holy Ghost. Vous devez savoir. Now you need to know. Que le patron du réseau. That the head of the network. Il travaille toujours par ses agents. Always work through his agents. Est-ce que vous êtes avec moi? Le patron travaille par les agents. The head works through his agents. Et l'agent du patron. And the agent of the head. C'est l'homme. Is man. Mais l'homme qu'il avait créé, but the man he created, l'a déplacé de sa place. Now put him out of his place. Il ne pouvait plus travailler. He couldn't work anymore. Il ne pouvait plus travailler dans les airs. Because he couldn't work through the air. Il fallait l'homme pour qu'il travaille. He needed a man to work through. Quand au concile de Nicée, il a été déplacé. When he was placed out at the Nicene Council, il a dit non. He said no. Je restaurerai. I shall restore. Je sais ce que moi je vais faire. I know what I will do. Je dois restaurer. I need to restore. Un jour, one day, l'Église catholique qu'il avait déplacé, the Catholic out. Pensait que c'est, tout était bien. Thought, oh, everything is right. Un jour, one day, le patron, the head, a choisi un homme toujours dans cette église. Chose a man in that church. Il appelle Martin Luther. He called Martin Luther. Qui était prêtre. Who was a preacher. Un abbé. A bishop. Il prend Martin Luther. He takes Martin Luther. Toi, je t'ai choisi. He said, I've chosen you. Viens, tu vas faire mon travail. Come, you're going to do my work. Le patron du réseau, the head of the network, n'ira pas chercher un agent ailleurs. Didn't look for the agent elsewhere. De là où on le refuse. From where they refused him, c'est de là même qu'il va sortir l'agent. It's out of there that he gets the agent out. L'église même qu'il a rejeté, the church that rejected him, il prend un abbé de cette église-là. He took some bishop out of that church. Toi, je t'ai choisi. He said, I've chosen you. Et on voit Martin Luther qui sort. You see Martin Luther come out. Qui commence à prêcher. He starts preaching. Il commence à prêcher. He starts preaching. Il dit, mon juste vivra par la foi. He said, the just shall live by faith. Mon juste vivra par la foi. The just shall live by faith. On devait payer pour le salut. Need to pay for payer salvation. Pour ceci, pay for this. Payer pour cela. Pay for that. Il en avait marre. He was tired of it. Il a dit, non, c'est la foi qui sauve l'homme. He said, no, it's faith ce n'est that pas donner l'argent à ça. It's not to give money. Donner pour ça. Money to donner marry, pour ça. Non, married, c'est la foi money, qui nous no, sauve. It's money that, it's, faith amen. That saves. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. It's through grace that par we are saved. Par le moyen de la foi. It's because of the faith. Martin Luther a prêché cela. Martin Luther preached it. Et il y a eu la révolte. And there was revolt. Et les gens sont sortis. People came out. Ils ont créé l'église protestante. And they created a Protestant church. Les protestants church. Sont venus. The Protestant came. Ils ont continué. They started. Et quand Martin Luther est parti, Martin Luther, ils se sont organisés. Was dead. They are organized. De cette même organisation. Out of the same organization. Le patron ne cherche pas les gens hier. The head doesn't look for people elsewhere. Just in that organization. Il va sortir John Wesley. He takes out John Wesley. John Wesley dit, John Wesley says, la foi sans les œuvres, faith without works, c'est une foi morte. Is a dead faith. L'autre a dit, mon juste vivant par la the foi. One said, they shall live by faith. Lui a trouvé que ces gens-là disaient qu'ils ont la foi. And the people said that they have faith. Mais ils avaient une très mauvaise vie. But they lived a very evil life. Alors lui vient et dit non. So now he comes and said, quand nous avons la foi, since we have faith, nous devons accomplir les bonnes œuvres. We need to do good works. Donc la foi sans les œuvres, so faith without works, c'est une foi morte. Is a dead faith. John Wesley est sorti. John Wesley came out. Quand John Wesley a commencé aussi son groupe, when John Wesley started his group, le Dieu qui marchait avec les Luthériens, the God that was walking with Luther, est venu marcher avec le Wesley. Now started walking with the Wesley. Parce qu'il s'était sanctifié. Because he sanctified himself. De l'autre côté, on one side, il y avait le péché. There was sin. Pourquoi Dieu s'est déplacé? Why did God move? Parce que le péché était de l'autre. Because sin was the on his. Il est venu avec le Wesleyen parce qu'ils avaient la sanctification. Because they had sanctification. Et après cette sanctification, and after this sanctification. John Wesley est parti. John Wesley was taken off the scene. Ils se sont organisés. And they organized. Vous allez voir que toutes ces églises protestantes là. See all these Protestant churches. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Today they're together.
alors qu'ils ne marchaient jamais ensemble. And they never used to walk together. L'un a prêché mon juste vivant par la foi. One preached just to live by faith. L'autre a prêché la foi sans les œuvres d'une foi morte. The other preached a faith without works is dead. Après cela, ils se sont organisés. That they organized. C'est pourquoi les pentecôtistes. That's why the Pentecostals. Dieu a montré que quand tu te purifies, God shows that when you purify, tu crois à Dieu. You believe in God. Tu es justifié. You're justified. Et quand tu commences à accomplir les œuvres. Now when you start doing the works, avec John Wesley, with John Wesley, qui est sanctifié, who sanctified, la personne qui s'est purifiée, qui s'est sanctifiée, the person that's purified and sanctified, a maintenant droit de commencer à voir la manifestation du Saint-Esprit. Now has the right to receive the manifestation of the C'est Holy Ghost. C'est ainsi que les Pentecôtistes sont venus. So that's how the Pentecostals avec came. Avec le don. With the gifts. Le don, the gifts, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Was the manifestation of the Holy Mais Ghost. Ce n'était pas encore la chose. But that wasn't it yet. Parce que c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Because the Holy Ghost that was manifested. Il devait faire tout pour que le Saint-Esprit entre dans les cœurs. He had to do everything for the Holy Ghost to come Mais down voilà, in the heart. Ils se sont limités au don. They limited themselves to ils ont pensé qu'en parlant à l'ange, they thought that when they spoke en tombant par terre, when falling on the ils ground, ont le Saint-Esprit. They received the Holy Ghost. Ils se sont organisés. And they organized. Mais c'est Dieu avait promis. But that God promised. C'est vers le soir. That in the evening time there shall be light. C'est ça, c'est que Dieu avait promis. That's what God promised. Vers le soir, la lumière apparaîtra. There shall be light in the evening time. C'est là qu'ils étaient justifiés. Those that were justified. Qui étaient sanctifiés. That were sanctified. Qui ont reçu le don, la manifestation du don. That received the gift and the manifestation of the gift. L'auteur du don. Now the author of the gift. Devait prendre place. Needed to come take place. Dans le cœur de l'homme. In the hearts of men. C'est ça ce qui a manqué aux Pentecôtistes. That's what the Pentecostals lacked. Nous voulons les dons. We want the gifts. Nous en avons besoin. We need them. Ça doit opérer. It needs to operate. Mais nous avons d'abord besoin. But we first need de l'auteur des the dons. The author of the gift. L'auteur des dons. The author of the gift. C'est le Seigneur Jésus Christ. It's the Lord Jesus Christ. Qui est le Saint-Esprit. Who is the Holy Ghost. Qui doit habiter dans le cœur. Who needs to dwell in the heart. Quand il habite en so nous, when he dwells in us, nous nous purifions. We purify ourselves. Les dons se manifestent. And now the gifts are manifested. Ça va opérer dans l'ordre. And they operate in order. Ça opérera dans la parole de it Dieu. Operate in the dans word of God. L'auteur du don That's est The gift now is in the midst of us. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with us? Et aujourd'hui, today, soyons connectés au véritable réseau. Let's be connected to the true network. Je ne veux pas aller très loin dans ça. I don't want to go very far in it. Je ne veux pas aller très loin. I don't want to go far. Aujourd'hui, today, nous devons nous connecter au véritable réseau. We need to be connected. Et Dieu est déterminé. And God is determined. Que aujourd'hui, that today, son église, his church, puisse manifester le Fils. Manifest the Son. Que son église. His church manifester le Fils. May manifest the Son. Que son église that his church puisse bénéficier de toutes les bénédictions. May benefit of all the blessings. Dieu est déterminé. God is determined. Lisons dans Planting the Vine and Where to Plant It. Planter la vigne là où la planter. Dans au paragraphe, c'est prêché le 20 septembre 59. Preach September 20th, 1959. Paragraphe 80 à 83. Paragraph 80 and to 83. Je termine déjà. I'm already done. He said, but God is determined Dieu that his vine won't die. Est déterminé de ne pas faire mourir sa vigne. So he plucked it up out of those creeds and filled it with the Holy Ghost. Alors il l'a déraciné de ses credos et l'a rempli du Saint-Esprit. And comes down in Jesus Christ's name. Et il a fait descendre dans le nom de Jésus-Christ. There that the church can set and live and enjoy. Là pour que l'église puisse avoir un souffle et puisse Est-ce vivre dans la cela? Vie. Feel the presence of the living God. Sentir la présence du Dieu vivant. Donc il l'a placé à cet endroit-là. He placed it in that place. Watching him move. En train de le regarder, en train de and bouger. And do the things that he did when he was here on earth. Et l'église fait les mêmes choses que lui faisait quand il était sur la terre. Il dit why? Il dit pourquoi? His branches. Ses branches, his connection, sa connexion, his root, ses racines, his beginning was God. Sa connexion, c'était Dieu. He was the lamb slain before the foundation of the world. Il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Before there was a world, avant qu'il y ait eu un monde, he was with God. Il était avec Dieu. He was the root, il était les racines, and the offspring of David, et le rejeton de David. The morning star, l'étoile de matin, the lily of the valley, la lys de la vallée. That's what he was. C'est ce qu'il était. His roots are wrapped around God. Il a mis ses racines autour de Dieu. Around the throne. Autour du trône. Around the kingdom of God. Autour du royaume His de Dieu. His roots are wrapped.
Ses racines le sont entourées. Life spread forth to the earth. Sa vie maintenant se répand sur la terre. And he gave his life that he might go back to the root. Et il a donné sa vie pour qu'il puisse rentrer aux racines. And be set again to bring forth branches out of the vine. Et se vivifier encore pour qu'il puisse faire sortir les branches de la vigne. Which is his church. Qui est son église. Showing forth the same result. Qui montre les mêmes résultats. That he did when he was here on earth. Ce qu'il a fait quand il était ici sur terre. And make him the same yesterday, today, and forever. Qu'il aura le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, church of the living God. Oh, église du Dieu vivant. Believe this. Croyez en ça. It's true. C'est la vérité. There is. Il y a. When the true spirit of God. Là où il y a la vraie, le vrai esprit de Dieu. Moves upon the believer. Et quand ça descend sous le croyant. Whatever the scripture says. Peu importe ce que l'écriture a dit. He will say amen. Le croyant là va dire amen. Why? Pourquoi? It's the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. That wrote the Bible. Qui a écrit la Bible. Is in him. Et c'est en lui. Who's setting his life. Et c'est en train de vivifier sa vie. He don't care who's sitting around. Il a dit, il s'en fout de ce qui est autour de lui. Il s'en fout de la personne qui est assise à côté de lui. He doesn't care who's around. Or what anybody else says. Ou de ce que quelqu'un d'autre va dire. It will always deal with the word. Il va toujours se mettre du côté de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Le maître du réseau. The master of quand the vous network, êtes connecté, when you're connected, lui fait accomplir sa parole. He accomplishes his word au travers de vous. Through you. C'est vous qui devenez son téléphone. Now you become his phone. Quand lui veut causer, when he wants to talk, il veut dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. The same yesterday, today, and forever. C'est toi le téléphone. Now you're the phone. Lui parle. He speaks. Et toi tu donnes le message. And you give the message. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. The same yesterday, today, and forever. Quand il veut dire que je suis l'Éternel Dieu qui guérit de toutes les maladies, when he say I'm the Lord God that heals you of all your diseases, c'est toi le téléphone. You are the phone. C'est toi son téléphone. You are his phone. Tu donnes le message. Give the message. Jésus-Christ, hein? Jesus Christ guérit encore aujourd'hui. Still heals today. Par tes mains, impose les mains sur les malades, ils seront guéris. Lay your hands on the sick and they shall be healed. Toi, tu es le téléphone. You are the phone. C'est tes mains que tu dois imposer. Your hands you shall lay down. Et les malades sont guéris. And the sick will be healed. Donc, Dieu a besoin de t'utiliser. So God needs to use you. Quand tu te connectes au réseau. When you connect to the network. Alors connecte-toi au véritable réseau. Connect to the true network. Pour devenir utile pour Dieu. To become useful to God. Et quand tu te connectes à ces réseaux-là. When you connect to that network. C'est toi qui deviens le miraculeux. Now you become miraculous. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Because we don't see God. Mais toi qui es connecté à ce Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, les gens te voient toi. People see you. Et c'est toi qui accomplis le miracle. And you accomplish the miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. These are the signs that shall follow them. Mais c'est toi qui dois faire cela. But you need to do it. Parce que tu es son agent. Because you are his agent. Il a restauré. He restored. Le Saint-Esprit est devenu, est revenu dans l'église. The Holy Ghost came back in the le church. Le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. But he's got the same yesterday, today, forever. Doit travailler au travers de toi aujourd'hui. Through you today. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Tu peux dire amen à can ça? Can you say amen to that? C'est toi l'agent de Dieu. You're God's agent. Je termine par ceci. I end with this. Nous devons nous connecter. We need to be connected. Nous connecter très bien. Be very well connected. Vous savez une chose? You know something? Isaac. Isaac. Et Rebecca. And Rebecca. Avaient une connexion. Had a connection. Isaac et Rebecca. Isaac and Rebecca. Ils avaient une connexion. They had a connection. Et la connexion qu'ils avaient. The connection they had. C'était la connexion du sang. Was a connection of blood. Ils étaient cousins. They were cousins. Et cousines. First cousins. C'était la famille. It was family. Parce qu'Abraham avait dit. Because Abraham said. Tu vas marier. On va te marier l'épouse. You're going to marry your wife. Dans ma nation. From my nation. C'était la nation d'Abraham. It was Abraham's ils nation. Ils avaient une relation de sang. So they have a blood relation. Une connexion de sang. They had a blood connection. Et Dieu aussi s'est décidé. And God also decided. Que pour lui qui est Isaac. That for he who is Isaac. Pour qu'il trouve Rebecca. For his find his Rebecca. Le Rebecca que lui cherche aujourd'hui. The Rebecca he seeks after il today. Il doit avoir la connexion de sang. He needs to have a blood connection. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? La Rebecca que Christ est en train de chercher. The Rebecca that Christ is seeking. Doit avoir la connexion de sang. Needs to have a blood connection. Elle doit être de la famille de Christ. She needs to be of Christ's family. Comment elle est dans la famille de Christ? How is she in Christ's family? C'est quand elle croit en Jésus Christ. It's when she believes in Jesus Christ. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Purifie Rebecca. Purifies Rebecca. Ils sont liés par le sang. They're united by the blood. Parce que c'est le sang d'Isaac. Because it's Isaac's blood. Qui est Christ? Who's Christ? Qui vient pour sauver Rebecca? Who comes to save Rebecca? Et c'est ça
check his veins. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You understand what I'm saying? Le sang de Christ. The blood of Christ doit couler dans les veines de Rebecca. Needs to flow in Rebecca's veins. Pour que Rebecca, so Rebecca soit choisie comme épouse d'Isaac. Be chosen as Isaac's wife. Donc, tel que nous sommes ici, so the way we are here, sans le sang de Christ without en the nous. Blood of Christ in us. Et le sang de Christ, c'est quoi? What is the blood of Christ? C'est le baptême du Saint-Esprit. It's the baptism of the Holy Ghost. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, without the baptism of the Holy Ghost, qui est le sang de Christ, there is the blood of Christ. Nous ne serons jamais choisis comme épouse we'll de Christ. Be chosen as Donc, c'est le moment. So this is the moment. Cherche le baptême du Saint-Esprit. To seek the baptism of the Holy Ghost. Le frère Branham me dit pour terminer. Brother Branham said to finish. Dans a time of decision. Le temps de décision. The time of decision. Le temps de décision. Prêchez le 18 avril. Preach April 18, 1959. 1959. Au paragraphe 40. Paragraph 40. It is wonder why Rebecca came before any of the other girls. Je me demande pourquoi Rebecca est sortie avant toutes les autres filles. Did you know that Rebecca and Isaac was a blood relation? Vous savez que Rebecca et Isaac ont une relation de sang? Cousins. Des cousins. And the bride of Christ. Et la l'épouse de Christ. Is a blood relation to him. A une relation de sang avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? You understand? The bride of Christ, l'épouse de Christ, is a blood relation. C'est une relation de sang. To him, à lui. A blood bought bride, une épouse rachetée par le sang. No wonder she was led by the Spirit. C'est pour ça qu'elle était guidée par l'esprit. There was a connection. Il y avait une connexion. Coming together, qui était en train de se former. There was a union. Il y avait une union. Coming together, qui se formait. That's the reason. C'est la raison. I think today, pour laquelle je crois aujourd'hui, that the born again, que celui qui est né de nouveau, the Holy Ghost filled the people, le peuple rempli du Saint-Esprit, is connected, est connecté, with God, avec Dieu, and are led, est guidé, by the Spirit of God, par l'Esprit de Dieu. That's why, c'est pourquoi, they act so peculiar to ils agissent tellement bizarre pour le genre, pour le reste. They've made their decision. Ils ont pris leur décision. They are going to go on out. Ils vont sortir d'ici. Regardless if the rest of them don't go out. Peu importe si le reste ne vont pas sortir. They're going out anyhow. Eux, ils vont sortir quand même. I like that. J'aime ça. L'épouse de Christ aujourd'hui. The bride of Christ today. Est en relation avec Christ. Is a relation with Christ. Par le sang. By blood. Et le sang c'est quoi? What is the blood? Le sang c'est la parole. The blood is the word. Le sang c'est quoi? Blood is what? C'est le message de l'heure. That's the message of the hour. L'essence c'est quoi? What is the blood? C'est le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy Ghost. Soyons connectés au véritable réseau. Be connected to the true network. Et ce véritable réseau. The true network. Que je vous invite à vous connecter. Let me invite you to be connected. S'appelle le Seigneur Jésus Christ. It's called the Lord Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Pouvez-vous vous lever? Nous allons prier le Seigneur. May stand, we'll pray to the on Lord. Peut chanter, je sais ce qu'est le sang. Sing, I know it was the blood. Les musiciens, venez s'il vous plaît. Je sais ce que le sang pour moi. I know it was the blood for me. Lorsque j'étais perdu. One day when I was lost. À la croix il mourut. He died upon the cross. Moi je sais ce que le sang pour moi. I know it was the blood for me. Allons-y. Oh, moi je sais ce qu'est le sang. I know it was the blood. Somebody help me sing it. Je sais ce que le sang. Oh, je sais ce que le sang. Pour moi. Lorsque j'étais perdu. Lorsque j'étais perdu. À la croix il mourut. À la croix il mourut. Oh, moi je sais. Je sais ce que le sang. Pour moi. Lorsque j'étais perdu. Lorsque j'étais perdu. Quoi? À la croix il mourut. Oh, moi je sais. Je sais ce que le sang pour moi. Et son sang est la vie. Et son sang est et la amène, vie. Amène, amène. Et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés.
About 2 minutes, speak to the Lord. Amen.